Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors en parlant d'étoiles, eh bien hier, ce n'était pas un poisson d'avril. Patrick Juvet nous a quittés à 70 ans, donc il est mort à Barcelone. On ne connaît pas encore les causes du décès, mais je sais que Bruno doit le pleurer, puisque bon, comme tout le monde le sait, Bruno est plutôt un grand fan de disco. Je suis sûr qu'il doit ou qu'il a dû danser encore sur les tubes de Patrick Juvet. Donc lui qui avait trouvé donc dans l'étoile mystérieuse, eh bien Amandalire, a rendu hommage à Patrick Juvet, bisous à ma jumelle le maléfique préférée, Patrick Juvet parti chercher les femmes, ou je ne sais quoi d'autre, idem pour Jean-Michel Jarre, une vie glam et des nuits rock, mon ami Patrick Juvet, l'enfant aux cheveux blancs s'en est allé, et je pense à lui et à sa famille, Jean-Luc Reichmann, bah il m'a bloqué, donc je sais pas ce qu'il a dit, Francis Lalanne toujours aussi opportuniste, comme Patrick Juvet, bon voilà, il s'est fait un petit peu botoxer, donc beaucoup de personnes se moquent en disant Patrick Juvet, le roi du disco, nous a quittés en mettant une photo de la femme d'Emmanuel Macron, Brigitte, Florian Gazan, a sorti cette phrase que j'ai beaucoup aimée, j'ai bien les boules à facettes, encore un bout d'enfance qui s'en va, et puis Patrick Juvet, c'était lui, le lundi au soleil de Claude François, c'est vrai, n'oublions pas que c'est lui qui avait écrit le lundi au soleil, Cyril Ferraud avait sorti un petit montage qu'il avait fait avec Patrick Juvet, qui est vraiment très rigolo, il chantait Où sont les femmes, Pierre Lescure nous conseille d'aller écouter Faut pas rêver, c'est vrai, je suis allée écouter, je connaissais pas cette chanson, elle est vraiment très très belle, donc je vous conseille d'aller l'écouter sur YouTube, et puis bon bah rappelle-toi Minette, c'était jour de fête, et puis bon, je me rappelle quand Sonia était maîtresse de midi, je chantais souvent, c'était mon rêve, c'était Sonia, c'est nanana, venait du froid, nanana, puis alors n'oublions pas aussi que Patrick Juvet était quand même arrivé numéro 5 aux États-Unis avec I Love America, et puis que je sais plus, je crois que même une de mes chansons préférées de Patrick Juvet, je crois que c'est Lady Night. Bon, passons. Donc, bah, je vous conseille de réécouter Patrick Juvet, surtout sa période disco, qui est plutôt sympathique. Allez, pour finir, les t-shirts. Bah, ça, c'est un vieux t-shirt que j'avais fait. Ourson les femmes, avec le légère, c'était plein de larmes. Et puis, le dernier disco, Disco Never Die. Le disco ne mourra jamais. Allez, sinon, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Et puis, bah, pour Patrick Juvet, qu'il repose en paix. Bye bye.